Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique, je suis dans la clinique depuis maintenant bientôt une dizaine d'années et je travaille au rez-de-chaussée. On distribue les blouses, on fait comme on s'occupe du linge, après on va nettoyer les bureaux de médecins, tout ce qui est côté urgence, toutes les salles d'urgence, brancards. Et après, c'est un peu variable parce que je vous disais, on s'occupe du linge, donc on a le linge à faire le mardi et le vendredi. Après, on a les locaux à nettoyer, tout ce qui est vestiaire, toilettes. La qualité, d'abord, il faut premièrement aimer ce métier, être responsable, avoir un peu l'œil partout et surtout respecter l'hygiène. L'hygiène et là maintenant avec le Covid, donc on a beaucoup de points en plus à faire, à ne pas oublier. Le plus difficile, c'est avoir l'œil partout, ne serait-ce qu'une toile d'araignée. Après, ces différents patients, ces différents locaux, comme on va en chirurgie plastique, tout ça. Ce que je préfère, moi j'aime bien renseigner les patients parce que bon, là ils sont perdus, les diriger. Après, quand on entend une réflexion comme quoi c'est propre, tout ça, pour nous c'est bien quoi. Je veux dire, ils ont du respect, ils sont gentils avec nous. Je crois que c'est cette épidémie. Hein. Je prends facilement tout à cœur, mais là, je crois qu'on s'est vraiment tous regroupés pour faire qu'un et qu'en sorte, ça n'arrive pas chez nous, quoi.